Hello, Cyril ici, thérapeute, coach, formateur et éditeur du blog affirmez-vous.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée « Pourquoi j'attire les PN ? Comment les éviter dès le départ ? Les signes qui ne trompent pas ?» Dans cette vidéo, je réponds à une question qu'on me pose souvent en groupe de thérapie, en coaching et je viens de la voir dans les commentaires. Aussi, j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont posé cette question et qui me donnent l'opportunité de partager ma réponse avec vous dans cette vidéo. Elles se reconnaîtront. Merci à vous. Alors, dans cette question, en fait, il y a trois questions. Donc, je vais donc répondre aux trois questions suivantes. 1. Pourquoi j'attire les PN ? 2. Comment les éviter dès le départ ? 3. Quels sont les signes qui ne trompent pas ? Alors, allons-y gaiement. Première question, pourquoi j'attire les pervers narcissiques ? Pourquoi est-ce qu'on attire les pervers narcissiques ? Pourquoi certaines personnes attirent les pervers narcissiques et pas d'autres ? Alors, j'ai identifié quatre raisons, mais avant de les lister, j'ai une question pour vous. La question, c'est, avez-vous remarqué effectivement que certaines personnes sont de véritables aimants à pervers narcissiques, alors que d'autres ne les croisent jamais ? Pourquoi donc certaines personnes attirent-elles les pervers narcissiques et pas d'autres ? Alors, comme d'habitude, je le rappelle encore une fois, mais la perversion narcissique concerne aussi bien les hommes que les femmes. Donc, lorsque je parle du pervers narcissique, il s'agit aussi bien d'un homme que d'une femme. Okay. Alors, je ne vais pas revenir trop longuement sur ce qu'est un ou une pervers narcissique. J'ai déjà brossé son profil dans une vidéo précédente et dans la vidéo en question, je vous propose 30 questions pour savoir si vous êtes au contact d'un ou d'une perverse narcissique. Et je vous mets le lien dans la description si vous voulez plus de détails pour revoir cette vidéo. Alors, rapidement, un pervers narcissique, c'est une personnalité toxique qui vampirise ses victimes. Il projette sur elles les parts de lui-même qu'il ou elle ne supporte pas. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne se remet jamais en question, qui s'arrange pour mettre ses responsabilités dans les mains ou sur le dos des autres, tout en se faisant passer pour l'homme ou la femme de la situation. Il ou elle dévalorise et isole en commençant par une phase de séduction où il va faire les plus belles promesses, les plus beaux cadeaux. Et voilà, donc par définition, un ou une pervers narcissique a besoin d'une proie pour vivre, pour se nourrir de sa substance vitale, en vidant sa victime de toute son énergie. Et finalement, la victime ne sait plus penser, ressentir, vivre sans le pervers narcissique. Alors, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, non, les pervers narcissiques ne s'attaquent pas aux personnes faibles. Ça, c'est faux, c'est tout le contraire. Ils ont vraiment besoin de quelqu'un de solide, de quelqu'un d'aimant, de quelqu'un de bienveillant et plein d'énergie. Sinon, la proie ne les intéresse tout simplement pas. Donc, première raison, premier motif, si vous attirez les pervers narcissiques, c'est tout simplement que vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un d'aimant, vous êtes quelqu'un de bienveillant et plein d'énergie. Ça, ce sont les premiers critères que l'on retrouve toujours chez une proie de pervers narcissique. C'est toujours comme ça. Mais, vous le savez, ça ne suffit pas. Ce qui fait que vous avez attiré un ou une pervers narcissique, c'est que, bon allez, qui se ressemble, s'assemble. Alors, détendez-vous, je ne suis pas en train de vous traiter de pervers narcissique, ok ? Ce dont je veux vous faire prendre conscience par cette petite provocation, c'est que vos failles respectives vont se refléter. C'est-à-dire que, alors remarquez, je parle bien ici des failles, hein, je ne parle pas de la structure de vos personnalités. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique a manqué d'amour, de valorisation, de structure et de base solide pour se construire une estime de soi, voilà, solide, suffisamment élevée. Alors moi, j'ai envie de vous dire, ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça ? Peut-être que c'est vous. Peut-être bien que vous-même, vous le voyez, vous vous reconnaissez dans ce portrait. Et vous le voyez, vos failles, pour le coup, s'emboîtent. Et lorsqu'on dit que les personnes que l'on attire dans nos vies ne sont finalement que le reflet d'une partie de soi, c'est juste, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que les autres ne sont qu'un miroir et ils viennent dans nos vies pour nous montrer des parties de nous. C'est finalement un service qu'ils nous rendent. Voilà ce qui peut-être a fait que vous avez attiré plusieurs pervers narcissiques dans votre vie. Ils sont venus vous montrer des choses de vous-même. Alors, gardons à l'esprit que les pervers narcissiques ont cette capacité à s'immiscer exactement là où vous avez un manque. Ils ont cette capacité à s'immiscer exactement là où vous avez un besoin. C'est-à-dire qu'ils scannent littéralement votre être profond et ils vous disent exactement ce que vous avez envie d'entendre. Ils sont très forts pour ça. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus déroutant avec ce type de personnes. Donc si vous avez tendance à attirer les pervers narcissiques, ce n'est donc pas parce que vous-même vous êtes pervers narcissique, mais c'est parce que vous avez les mêmes failles que le pervers narcissique. Okay. Autre possibilité ou facteur aggravant, si je puis dire, c'est que vous pouvez peut-être avoir tendance à vouloir sauver les autres. Alors il faut savoir que les pervers narcissiques ont le chic pour se faire passer pour des victimes. Ils se disent incompris, ils se disent mal aimés, ils se disent rejetés. Voilà, ils sont victimes de leur ex, de leurs parents, de leur patron, de leurs enfants. Enfin bref, ils sont victimes de tout le monde. Et vous les reconnaîtrez parce qu'ils peuvent passer comme ça instantanément du rire aux larmes. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire que vous êtes génial, qu'ils ne se sont jamais sentis aussi bien et autant en confiance avec quelqu'un d'autre qu'avec vous et patati et patata. Alors si vous voulez voir à quoi ressemble un appel à l'aide d'une victime, enfin un appel à l'aide d'un PN, d'un pervers narcissique qui se passait pour une victime, eh ben, je vous invite à regarder dans les commentaires de mes vidéos. Alors, je ne sais plus lesquels exactement, mais il y a régulièrement des appels à l'aide qui sont comme des énormes hameçons auxquels il m'est demandé de mordre. Et d'ailleurs, ils sont souvent écrits en majuscules, ces commentaires, pour que l'on voit mieux l'appât. Alors, je ne dis pas que les personnes qui écrivent ce type de commentaires sont des pervers narcissiques. Je dis simplement qu'elles jouent à un jeu pervers, bien souvent malgré elles, en se faisant passer pour des victimes qui attendent qu'un sauveur, venu de je ne sais pas où, vienne les sauver. C'est le fameux triangle dramatique de Karpman dont peut-être que nous aurons un jour, dont j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de parler dans une prochaine vidéo. Mais là, je sens déjà que je m'éloigne du sujet, donc on va recadrer. Voilà, donc si vous êtes, ne fût-ce qu'un tant soit peu, un sauveur ou une sauveuse, eh bien pour vous, c'est banco loto, et surtout pour le PN. C'est banco loto pour le pervers narcissique, parce qu'il va comme ça vous tendre des hameçons pour venir le sauver, et là, vous êtes pris dans l'engrenage si vous mordez à l'hameçon, tout simplement lorsqu'il se fait passer pour une victime. Parce que votre ego sera valorisé, vous vous sentirez investi d'une mission, et vous aurez sincèrement envie d'aider votre nouvel ami, votre nouvel amour, je ne sais pas. Et donc voilà, il faut garder à l'esprit qu'il y a vraiment une grande prétention à vouloir sauver les autres. Parce que finalement, c'est croire que l'on sait mieux que ce qui est bon pour eux. Et donc pour le coup, c'est du pain béni pour les pervers narcissiques. Parce que voilà, quand vous rentrez dans le délire du sauveur, eh ben, au début, vous allez excuser les débordements, les insultes, la violence physique. Voilà, vous mettrez tout ça sur le dos du passé douloureux de votre pervers narcissique. Et en attendant, ben voilà, vous allez vous éteindre tout doucement à petit feu. Gardons à l'esprit que personne ne devrait jamais oublier de se respecter pour aider l'autre. C'est comme l'affirmation de soi, ben ça devrait être une règle que l'on devrait enseigner à l'école. Enfin, quatrième raison possible qui fait de vous un aimant à pervers narcissique, c'est que peut-être que l'un de vos parents, les deux, enfin au moins un de vos parents, est lui-même pervers narcissique. Eh bien oui, dans bien des cas, on finit par se rendre compte que l'un des parents d'une proie était également un ou une pervers narcissique. Et du coup, ben, vous êtes dans votre zone de confort quand vous êtes avec un ou une PN, vous avez l'habitude. Et vous reproduisez tout simplement le schéma que vous connaissez, parce que voilà, vous avez grandi dans un environnement peu aimant, vous avez grandi dans un environnement dévalorisant, vous avez grandi dans un environnement violent. Donc pour vous, c'est la norme, c'est normal en fait, tout simplement. Et du coup, vous connaissez un schéma de couple entre vos deux parents, où il y en avait au moins un qui était pervers narcissique, et pour vous, bah, c'est juste le schéma normal, du couple traditionnel. Hein. Peut-être que vous ne savez pas en fait qu'une relation peut être sereine, équilibrée, tout simplement, ce n'est pas de votre faute, hein, c'est parce que vous ne l'avez jamais vécu et vous ne pouvez pas le deviner, vous ne pouvez pas deviner quelque chose que vous n'avez pas expérimenté en fait vous-même. Okay ? Alors en plus, si vous avez eu un parent pervers narcissique, eh ben, vous n'avez pas appris à vous respecter, vous n'avez pas pu apprendre à vous respecter, ce n'était pas possible, vous n'avez pas pu apprendre à vous aimer, vous n'avez pas non plus apprendre à poser des limites. Et quant à l'amour inconditionnel, eh ben, c'est bien évident que vous n'y avez jamais goûté non plus. Donc en général, vous pensez qu'il faut accepter l'inacceptable pour être aimé. Vous pensez qu'il faut souffrir pour être aimé. Alors donc, tout naturellement, vous rejouez ce match dans votre relation de couple, puisque finalement, vous ne connaissez que cela. Donc voilà 4 raisons possibles, les 4 motifs pour lesquels vous avez attiré un ou une, ou même plusieurs d'ailleurs, pervers narcissiques dans votre vie. Le premier, c'est que vous êtes une belle personne, une personne aimante, une personne empathique, une personne bienveillante et pleine d'énergie. Deuxième motif, c'est que vous avez a priori les mêmes failles que le pervers narcissique, à savoir un manque affectif, manque d'amour, donc un manque d'estime de vous-même, un manque de confiance et une tendance à vous dévaloriser. Troisième motif, vous pouvez avoir tendance à vouloir sauver les autres. Et quatrième motif, l'un de vos parents est pervers narcissique, donc ça c'est un motif supplémentaire pour attirer à soi les pervers narcissiques. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la première question. Première question, ça c'est fait, nous en avions 3. Deuxième question, c'est comment les éviter dès le départ? Comment éviter les pervers narcissiques dès le départ et ne pas attendre d'être sous emprise pour se rendre compte qu'effectivement, pas perdre de temps finalement à passer par le stade de l'emprise. Alors disons-le tout de suite, c'est possible de les éviter, c'est possible de ne plus être un élément à pervers narcissique et je vais vous donner les signes qui ne trompent pas dans la suite lorsque vous rencontrez un pervers narcissique. Mais auparavant, prenez d'abord conscience de ce qui en vous a fait que vous attirez les pervers narcissiques ou un pervers narcissique. Prenez conscience de ça. Ce sera plus facile de le nettoyer ensuite si vous en prenez conscience et vous pourrez y être attentif. Alors ensuite, je n'en démordrai pas, je n'en démordrai jamais. Faites-vous aider. Les aimants à pervers narcissiques sont bien souvent des victimes de pervers narcissiques et ils ou elles ont besoin de se reconstruire, de remettre les pieds dans la réalité, d'apprendre à se respecter, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se valoriser, d'apprendre à se récompenser, d'augmenter leur estime de soi. Et ça, ce n'est pas, c'est possible qu'avec une personne neutre. C'est-à-dire que vous avez besoin d'entendre de la bouche d'un professionnel que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas folle, que vous avez souffert et que ce n'est pas normal et qu'il est temps de vous donner le droit de vous reconstruire. Je vais vous donner les signes pour reconnaître un pervers narcissique, mais auparavant, je vous donne la meilleure solution pour les éviter dès le départ, c'est de nettoyer ce qui fait que vous les attirez par une thérapie sérieuse et en apprenant à vous affirmer. Je le répète à longueur de temps car c'est ce que je fais, c'est ce que j'enseigne et j'en vois les résultats tous les jours. Permettez-moi de vous dire, j'en profite, que l'argument du coût de la thérapie et de la formation ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Car si vous mettez en balance d'un côté ce que ça vous coûte, cette tendance à attirer les pervers narcissiques, que ce soit le coût émotionnel, le coût de la perte de temps, l'impact financier sur votre carrière professionnelle, le coût financier même d'une relation avec un pervers narcissique, c'est énorme. Et que de l'autre côté, vous mettez le coût de la thérapie et le coût d'une bonne formation d'affirmation de soi avec un vrai coaching, vous verrez qu'investir sur vous, c'est vraiment bien plus rentable que de continuer à reproduire les mêmes stratégies relationnelles perdantes. La meilleure solution pour les éviter dès le départ, c'est de supprimer les causes qui font de vous un aimant à pervers narcissique. Mais en attendant de faire ce travail, il y a des éléments qui ne trompent pas pour identifier rapidement un ou une pervers narcissique. Alors comment faire pour repérer un pervers narcissique le plus rapidement possible? Comment faire pour l'identifier? J'ai envie de dire presque au premier abord, ou tout du moins tout au long de la relation. Quels sont les signes qui ne trompent pas? Eh bien, la clé pour identifier un pervers narcissique, c'est tout simplement d'étudier la communication de votre interlocuteur. C'est d'observer comment la personne avec qui vous êtes en contact, en relation, communique. Pour voir si cela correspond à la communication utilisée par le pervers narcissique. Et bien sûr, pour pouvoir le faire, il faut bien comprendre comment communique un ou une pervers narcissique. Voyons donc comment communique un pervers narcissique. Voyons ensemble les caractéristiques identifiables, les caractéristiques remarquables, au sens où on les remarque, de la communication perverse. Vous le savez, un pervers narcissique s'y prend en 2 temps pour accrocher sa proie et la mettre sous emprise. Le premier temps, la première étape, c'est la phase de séduction. Alors c'est la phase durant laquelle le pervers narcissique va vous étudier, il va vous calibrer finement, il va chercher à savoir ce que vous aimez dans la vie, vos désirs, vos besoins, vos attentes. Il va chercher à en savoir le maximum sur vous pour ensuite vous le servir sur un plateau pour vous amener tout ce que vous attendez de la vie. Un peu comme un prince charmant ou une princesse charmante, je ne sais pas si ça se dit, pour que vous viviez une idylle. Voilà, c'est ça le projet, il est là. Vous avez l'impression de vivre une idylle, c'est un miracle de l'amour, un truc incroyable, vous avez l'impression d'avoir trouvé the one, la personne que vous attendiez depuis si longtemps dans votre vie, et peut-être même d'ailleurs que vous ne pensiez pas que c'était possible de la rencontrer. Durant cette première étape, le pervers utilise une communication bien spécifique où il va vraiment se caler sur vous, se caler sur vos goûts. Il ou elle va dire aimer tout ce que vous aimez. Alors, incroyable. Il est toujours d'accord avec vous. Il va finir vos phrases, elle va finir vos phrases. Il ou elle va toujours abonder dans votre sens. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous avez trouvé votre alter ego et on ne pourrait limite pas glisser une feuille de papier à cigarette entre vos désirs, vous deux, vos besoins, enfin voilà, vous êtes les mêmes. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui, dès le démarrage de la relation, aime tout comme vous, sur tous les points, est toujours d'accord avec vous, et si ça vous paraît trop beau pour être vrai, que ce soit une relation amicale ou plus intime, eh bien c'est simple. Si c'est trop beau pour être vrai, eh bien justement c'est que c'est trop beau pour être vrai. Donc restez sur vos gardes, méfiance, méfiance, méfiance des gens qui aiment tout comme vous et font tout comme vous. Premier abord, rien ne distingue les pervers narcissiques, ces personnes. Rien ne les distingue, le contact immédiat est plutôt facile. Ils ont une bonne sociabilité, sociabilité normale, parfois excellente d'ailleurs. Ouais. Ce sont, on va dire, les aspects plutôt ténus en fait qui attirent l'attention au fil des conversations. Parce qu'on va s'apercevoir qu'il y a du flou. Ils vont répondre à côté. Il y a un discours qui va viser à convaincre, mais sans rapport avec la vérité. La fréquentation des personnalités perverses provoque un malaise, difficile à définir. Alors, je vais y revenir plus tard et vous comprendrez précisément d'où vient le malaise. Et vous serez à même après de comprendre rapidement ce qui se passe. Toutes les personnes avec qui je travaille disent la même chose. Ils disent « Ah, et pourtant, je sentais que quelque chose clochait dès le début. » Ça, je l'entends tous les jours. Alors, faites-vous confiance d'abord. Ne cherchez pas à justifier votre ressenti. Ne cherchez pas à justifier un ressenti que vous avez. Si vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond, vous n'avez pas à savoir pourquoi vous le ressentez, mais simplement à vous faire confiance. C'est ça qu'on appelle l'intuition. Et c'est le propre de l'intuition. On n'a pas à justifier l'intuition. Trop penser rend manipulable. Alors faites-vous confiance et vous verrez, tout ira bien. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. L'intuition, votre intuition, elle s'exprime dans un langage très simple. Soit la sensation est bonne, ou bien la sensation vous fait ressentir de la résistance. Vous sentez que quelque chose cloche. C'est tout simple, c'est comme ça. Tout le monde s'accorde pour dire que celui ou celle qui écoute son intuition connaîtra toujours la réussite. C'est pourquoi vous devez faire ce qui, au fond de vous-même, vous fait sentir bien. Parce qu'à l'inverse, vous devez éviter de faire tout ce qui vous fait sentir résistant, tout ce qui vous fait ressentir la résistance. Si vous acceptez l'idée que vous avez un but dans la vie, eh bien, il doit correspondre à quelque chose qui vous convient. Sinon, vous ne serez pas motivé pour l'atteindre. Rappelons-nous que nous sommes tous ici pour être heureux. Vous devez donc tout faire pour être heureux et éviter tout ce qui vous rend malheureux. Et si cette règle prévaut au niveau le plus profond de votre être, elle prévaut à tous les niveaux. C'est pourquoi vous devez faire ce que vous voulez vraiment faire, ce qui vous donne une sensation de bien-être, et éviter tout ce qui vous déplaît, tout ce qui provoque en vous une résistance. La vie vous demande simplement d'écouter votre conscience. Si vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure, eh bien, vous serez sujet au chagrin, à la tristesse et aux tensions. Et plus vous persistez dans la voie de la résistance, bien plus vos émotions auront simplement du mal à s'exprimer et moins les événements dans votre vie se conformeront à vos attentes. À partir d'un certain stade, la résistance peut vous conduire à des réflexions du genre « Ah, j'aurais dû écouter cette petite voix intérieure lorsqu'elle me disait de quitter cette personne. » ou d'agir différemment. C'est donc qu'à un moment donné, vous avez donc dû entendre cette voix intérieure. Sinon, vous n'auriez pas pu vous dire « j'aurais dû écouter ». Écoutez votre intuition. Alors, quel autre signe ne trompe pas? Quels sont les autres signes qui permettent d'identifier le pervers narcissique? Alors, tout d'abord, le regard. Le regard du pervers narcissique est caractéristique. Moi, c'est pour ma part un signe qui ne trompe pas. Normalement, lorsque deux êtres humains non pervers communiquent entre eux, eh bien, ils se regardent dans les yeux et par intermittence, ils vont détourner brièvement le regard. Et voilà, ça continue comme ça durant la conversation. Je vous invite à faire le test avec vos proches. Alors, vous ne leur dites pas parce que ça va les stresser. Mais prenez-le comme un jeu. Vous ne leur dites rien et vous observez comment se passe une conversation normale. Vous allez voir que voilà, les gens regardent dans les yeux et changent de regard. Les pervers narcissiques, comme les psychopathes d'ailleurs, ils vont vous exposer un regard fixe et intense. Et quand vous regardez, c'est un regard de prédateur. C'est un regard imperturbable et c'est malaisant. Ils ne clignent pas des cils. Et quand vous regardez au fond, vous allez voir que c'est un regard qui est vide, sans émotion. Alors ne vous y trompez pas, hein. Le PN n'est pas en train de se noyer dans vos yeux. En fait, il tente, avec ce regard perçant, il tente de vous hypnotiser. Et si vous regardez bien au fond de ce regard, vous y trouverez vraiment du vide. C'est le vide sidéral, il n'y a rien. Et vous y verrez une noirceur glaciale. C'est un regard noir et vide. Et voilà, c'est un regard hypnotique qui a pour fonction de vous captiver. Ce n'est pas du tout un signe d'empathie, bien au contraire. C'est un effort que fait le ou la pervers narcissique pour affirmer sa domination sur vous. Il tente de vous dominer. Et c'est tout simplement parce qu'il est dénué d'émotions et de sentiments qu'il peut soutenir indéfiniment votre regard pour vous faire lâcher, pour vous montrer qui est le plus fort. Le regard du pervers narcissique est vraiment particulier. Et une fois que vous l'avez identifié, il ne peut pas disparaître de vos mémoires. Ce qui est remarquable, le signe qui ne trompe jamais, c'est que leur pupille ne se dilate pas. Ça ne se dilate jamais, alors sauf avec le soleil et les choses comme ça. Mais moi, je l'avais remarqué avec la pervers narcissique avec qui j'étais en relation, quand elle faisait semblant d'être amoureuse, bah, sa pupille ne se dilatait jamais. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Une personne véritablement amoureuse a ses pupilles qui se dilatent lorsqu'elle regarde le sujet de son amour. C'est toujours comme ça. Et vous pouvez ressentir l'amour ou l'amitié, la bienveillance en regardant au fond des yeux des gens. Donc si vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de doute. Ce regard envoûtant qu'il ou elle vous jette n'a pas uniquement pour fonction de vous subjuguer, de vous séduire au premier contact. C'est vraiment un regard de prédateur qui lui sert à installer son emprise, en vous impressionnant, en vous affolant même, et en vous troublant. C'est vraiment le regard, il est à la fois vide et perçant, je le répète, c'est le regard vide et perçant du pervers narcissique. Et il a pour sonder vos failles, vos vulnérabilités. Et c'est ce regard qui suscite le fameux malaise dont vous parlez toutes et tous à propos du PN. Au début, la proie lutte, elle essaye de maintenir le cap de son intégrité, mais le regard est plus puissant que les mots et tellement plus difficile à repérer et à dénoncer. Il est plus facile de s'opposer à des paroles qu'à un regard qui contrôle bien plus. Car le langage non verbal, est bien plus puissant que les mots. Le langage non verbal est bien plus puissant que le langage verbal. Le langage non verbal, c'est le langage qui va s'adresser au subconscient, alors que le langage verbal va s'adresser au conscient. Alors qu'est-ce que le conscient, qu'est-ce que l'inconscient et le subconscient? Je vous propose de nous arrêter quelques instants sur ces notions rapidement, je vous rassure, on ne va pas traîner. Mais arrêtons-nous quelques instants sur les notions de conscient, d'inconscient et de subconscient. C'est très important pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre le malaise que suscite le PN. Pour faire vite, notre structure psychique va se répartir en trois lieux, ayant chacun un mode de fonctionnement caractéristique. Le conscient d'abord, c'est ce qui nous est accessible et il contient environ 10% des informations totales. On va dire pour devenir consciente et claire, pour exister, une information doit passer par le langage. Voilà, on parle les mots. C'est ce qui est conscient et c'est ce qui peut être verbalisé. C'est-à-dire que ce qui est conscient peut être verbalisé. L'inconscient, par définition, c'est ce qui nous est inaccessible. C'est ce qui est inaccessible à la conscience, on va dire. Ce dont nous n'avons finalement même pas la moindre idée que ça puisse nous appartenir. Et le contenu de l'inconscient reste hors d'atteinte, sauf pour les gens qui font de la thérapie. Et l'inconscient obéit à sa propre logique. Et la logique de l'inconscient n'a rien à voir avec ce que nous appelons d'ordinaire, nous, la logique. L'inconscient, c'est le siège de toutes nos croyances. L'inconscient contient toutes nos croyances les plus profondes, toutes les croyances de toute façon. Et les recherches actuelles, ça c'est génial, le montrent, c'est-à-dire que l'inconscient, c'est pas seulement dans la tête, mais en fait, c'est toute une organisation psychocorporelle. C'est-à-dire que depuis la fin des années 80, les neurobiologistes ont mis en évidence que l'inconscient est une mémoire purement corporelle, sans souvenir, sans désir secret, ni pensée honteuse. C'est grâce à lui que nous accomplissons les gestes du quotidien. Nous laver les dents, sortir de chez nous, sauter dans le métro, rentrer, composer le code de la porte, sans même nous souvenir des chiffres automatiquement, sans y réfléchir. Voilà, ça, tout ça, c'est inconscient, c'est dans l'inconscient. Et cet inconscient corporel explique aussi pourquoi, sans le vouloir, beaucoup d'enfants maltraités deviennent des adultes maltraitants. Cet inconscient corporel explique aussi pourquoi, sans le vouloir, beaucoup d'enfants qui ont été violés deviennent des adultes violeurs. Ils ont intégré dans leur corps, en fait, les gestes de la violence, tout simplement. Okay. Troisième lieu, le subconscient. Alors c'est la zone intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire qu'elle est moins inconsciente que l'inconscient, mais elle ne peut toutefois pas s'exprimer clairement. C'est le domaine des pressentiments, c'est le domaine de l'intuition, c'est le domaine des malaises diffus, c'est ce qu'on ressent, qu'on pressent, mais qu'on ne peut pas nommer clairement. C'est par essence une zone confuse, celle d'un ressenti qui ne peut, on va dire, ni se justifier. Ce qu'il faut savoir sur la communication perverse, c'est qu'elle est par essence paradoxale. Ça veut dire qu'elle nous envoie deux messages simultanés, mais incompatibles. Premier message verbal et apparent, qui va s'inscrire dans le conscient, et l'autre message qui est contradictoire, mais qui passe en général par le non-verbal et qui est enregistré à notre insu par le subconscient. C'est ça la tromperie. C'est une action, une attitude qui va dire le contraire de ce qui est évoqué verbalement. On reconnaît facilement la communication perverse lorsque ce qui est dit avec les mots entre en contradiction avec ce qu'exprime le corps. On reconnaît la communication perverse lorsque le langage verbal et le langage non verbal sont en contradiction. Et c'est ça qui crée le malaise. Et c'est ça qui fait qu'on ne s'en rend pas compte. Qu'il y a un malaise, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est parce qu'il y a contradiction entre ce qui est dit et ce qui est montré par le corps. Ce qui crée le malaise, c'est lorsque le corps dit le contraire de ce qu'expriment les mots. Car les mots s'adressent au conscient, et le langage du corps est enregistré par le subconscient. Voilà pourquoi on sent bien que quelque chose cloche, mais on n'est pas capable de savoir pourquoi. Alors ça, c'était avant de voir cette vidéo, car maintenant, vous l'avez compris. Si les mots et le corps disent des choses contradictoires, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui est en train de vous manipuler. C'est aussi simple que ça. Voilà comment identifier un manipulateur, un menteur, un acteur, un simulateur. Je vais vous donner un exemple grossier. Je vais forcer le trait, mais vous allez comprendre le principe. Admettons que l'on se croise dans la rue et que vous me demandiez comment je vais et que je vous réponde « Oui, ça va très bien, merci !» Vous comprenez que le langage verbal dit « Oui, ça va très bien, merci !» donc un message positif indiquant que tout va bien, que tous les signaux sont en vert, on va dire. Alors que le langage non verbal, que ce soit l'intonation de ma voix, l'expression de mon visage, indique plutôt de la colère, voire de l'hostilité à votre égard. Et là, ça indique plutôt que tous les signaux sont au rouge. Cette technique de contradiction entre le verbal et le non-verbal a pour effet direct la paralysie. C'est comme un court-circuit mental, si vous voulez. Et c'est ainsi qu'on peut faire ressentir de l'hostilité ou toute autre chose, on va dire, sans que rien ne soit émis qui puisse y correspondre. On peut même le faire avec un message énoncé totalement de manière bienveillante. Il n'y a qu'à verbalement être très agréable et prononcez d'un air innocent la phrase qui tue. Aborder le sujet qui blesse, ou encore plus subtilement, avoir l'attitude qui contredit le message. Par la suite, ce qui se passe, c'est que seul le langage verbal va être reconnu comme le sien par le pervers, et les impressions ressenties par la victime, donc elles qui vont venir du non-verbal, seront immédiatement disqualifiées. Et donc la victime aussi sera disqualifiée, alors que son ressenti est juste. C'est pourquoi les messages paradoxaux ne sont malheureusement pas visibles pour la plupart des gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas au courant. Il reste que les paroles entendues, puis une drôle d'impression de confusion, de malaise, de tension, que finalement rien ne semble justifier, de prime abord. La plupart du temps, la victime choisira par simplicité, on va dire, de s'en tenir au sens littéral du discours, en niant les signaux non-verbaux contradictoires, en niant donc son propre ressenti, qui n'en continuera pas moins à semer la confusion dans son esprit, à son insu. La confusion, doute de soi, qui va pousser la victime elle-même finalement à adhérer à ce qui lui paraît solide, c'est-à-dire l'opinion du pervers. Et finalement, ça va l'amener à croire de moins en moins à la validité de ses propres opinions. Et cette confusion, elle va faire boule de neige. Parce qu'au-delà de l'injonction paradoxale, ou de la communication paradoxale perverse, la confusion, c'est ce qui permet également la mise en place du paradoxe comme mode de communication. C'est-à-dire, entre autres, faire coexister comme normaux des discours contradictoires. Alors, bien entendu, les discours ne doivent pas être trop précis, c'est-à-dire que le flou, les non-dits, les sous-entendus vont régner en maître absolu dans la communication du pervers narcissique. Alors, ça peut être « je t'aime » ou « je t'estime » ou « j'admire tes qualités » et immédiatement suivi de l'éloge des qualités d'une personne dont le caractère et le comportement sont complètement opposés, sont totalement opposés, au point que estimer l'une est incompatible avec le fait d'estimer l'autre. Le langage non-verbal est en effet utilisé au maximum, en particulier pour culpabiliser, c'est-à-dire pouvoir connaître un pervers narcissique parce que la personne va faire la moue, va prendre un air contrarié, va hausser les sourcils au ciel, va soupirer. Et là, en fait, la victime se demande ce qu'on a à lui reprocher. Et comme le pervers ne lui répond pas, du coup, elle peut être accusée de tout. Mais le reproche est totalement dénié en général par l'interlocuteur, par le pervers, qui effectivement n'a rien dit. Ah oui, moi j'ai rien dit. Et la victime ne peut pas argumenter ni se défendre. Et du coup, c'est très souvent à l'estime de soi que la victime que le pervers va s'attaquer, et avec ces messages en fait qui sont délivrés de manière floue et complètement imprécise. Parce que dans tous les cas, votre interlocuteur, s'il est pervers narcissique, il doit pouvoir se retrancher derrière des paroles du genre « mais je t'ai jamais dit ça, c'est toi qui te fais des idées. Quand vous entendez ça, je t'ai jamais dit ça, c'est toi qui te fais des idées. » Bon, bing, cherchez pas à comprendre, vous avez un gagnant, quoi. Et effectivement, il n'a rien dit de concret. Je t'ai jamais dit, il n'a rien dit. Mais du coup, on peut mettre un tas d'interprétations en fait, derrière ces allusions. Alors on l'a vu, le pervers, c'est un comédien né. Le mensonge, c'est vraiment sa seconde nature. Il est toujours dans la peau de quelqu'un d'autre. Et ces mensonges sont jusqu'au boutisme. C'est-à-dire que même s'il est pris la main dans le sac, même face à une cour d'assises, on va dire, il n'avouera jamais. En fait, c'est une attitude de défi que la personne va avoir comme ça, parce qu'à travers ça, cette personne jouit d'être, on va dire, la plus forte et jouit de garder le contrôle de la situation. Puisqu'en fait, ces mensonges sont rarement des mensonges directs, les personnalités perverses, on va dire, ne se mouillent pas. Elles ne se risquent pas d'être prises en fait en faute et on dira que c'est une vérité arrangée, quoi. C'est-à-dire que le plus souvent, c'est un assemblage de vrai et de faux. Le vrai et le faux sont mélangés. Un assemblage de vrai et de faux, de sous-entendus, de non-dits. C'est vraiment destiné à créer un malentendu qui pourra toujours être ultérieurement utilisé en fait à l'avantage du pervers sans qu'il ne puisse jamais être retourné contre lui puisque, comme d'habitude, il n'a rien dit. Autre signe qui ne trompe pas, pour savoir si vous avez affaire à un pervers narcissique, c'est le cloisonnement. Le cloisonnement des relations. C'est-à-dire que le cloisonnement des différents aspects de sa vie. Alors là, je vais mettre un bémol. C'est pas que c'est un signe qui ne trompe pas, c'est un signe qui va confirmer en fait. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens qui cloisonnent, ce n'est pas forcément un pervers narcissique, mais vous avez plusieurs choses et le cloisonnement, vous avez affaire à un pervers narcissique. Car pour se protéger, le pervers narcissique divise et cloisonne ses relations pour éviter les recoupements qui pourraient le trahir. C'est-à-dire que le pire pour lui serait que les autres se regroupent contre lui, car toute la communication perverse finalement est basée sur des fausses vérités distillées habilement. Donc si Cyril ne veut pas que vous rencontriez sa famille, si Cyril ne veut pas que vous rencontriez ses amis, si Cyril ne veut pas que vous rencontriez ses collègues de bureau, il y a anguille sous roche, hein. Cherchez pas à comprendre, vous êtes face à quelqu'un qui a quelque chose à cacher et ça ne sent pas bon du tout. Au mieux, c'est un manipulateur, une manipulatrice, au pire, c'est un ou une pervers narcissique. Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez que pour éviter les manipulateurs pervers narcissiques, la meilleure des parades reste d'apprendre à s'affirmer. C'est ce que j'enseigne avec plaisir aux personnes avec qui j'ai le plaisir, la joie de travailler. C'est tout simplement le moyen le plus efficace pour ne plus donner prise à la manipulation. C'est le moyen le plus efficace pour se faire confiance, développer son intuition et se mettre à l'abri des manipulateurs définitivement. C'est ce qui va faire fuir les pervers narcissiques vers des personnes plus malléables, plus manipulables, tout simplement des personnes qui ne savent pas s'affirmer et qui tombent dans les filets des pervers narcissiques encore et encore indéfiniment. Vous savez également qu'il existe des signes caractéristiques de la communication perverse et vous pouvez maintenant vous entraîner à les repérer. La séduction à outrance, au premier contact dans la première phase, le regard hypnotique envoûtant, la contradiction entre le verbal et le non-verbal et le cloisonnement des relations. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Il existe d'autres signes caractéristiques de la communication perverse que vous retrouverez dans la formation « Affirmez-vous et osez ». Contactez-moi si vous en avez marre d'attirer à vous le ou les PN. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques, postez un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour le signaler à l'algorithme de YouTube et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer les futures vidéos. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, affirmez-vous, faites-vous plaisir et osez vivre la vie de vos rêves, la vie est belle. Au revoir.